entrons dans une discussion au niveau national et même international qui est un peu troublante, même plus que troublante, sur des questions de migration, d'exil. Je ne pense pas que le collège pouvait rester entièrement muet sur cette question, puisqu'il est quand même le collège de France et qu'il doit se poser la question de quelle France il est justement le collège. Est-ce qu'il est d'une France repliée sur elle-même ? Je pense qu'il est d'une France ouverte, une France qui, la France de la Renaissance, la France des Lumières, une France qui doit avoir une parole qui n'est pas une parole recroquevillée. Et donc nous avons voulu aborder cette question parce que c'est une question très ancienne, la question de l'immigration. L'espèce humaine est une espèce migrante, quoi qu'il arrive, on va le voir à travers le colloque. Mais on ne peut pas traiter aujourd'hui politiquement, correctement et de façon intelligente la question qui est posée aujourd'hui même, sans avoir un recul qui est le recul que donne évidemment la connaissance. Et le Collège de France est le collège de cette France de la connaissance justement.